C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli! C'est ça qui sent si bon! Non, Groovy! Attends que tout le monde soit assis à table! Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt! Dépêche-toi parce que Groovy a très faim! Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Ah ah ah, je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là, si, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider! Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte.
Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Quelle belle journée pour apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes. Voyons voir ce qu'on a là. Miam! Des fruits et légumes, c'est délicieux. Vous savez comment ils s'appellent? Une tomate, une banane, une aubergine, une carotte, une pomme de terre, une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Bien les enfants. Vous reconnaissez les tomates, les pêches ou les bananes? Mais vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial! Pops, tu me donnes un coup de main? Les fruits et les légumes poussent dans les plantes. Tout dépend de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, que ce soit un fruit ou un légume. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. Ce sont leurs graines. C'est pour ça que les tomates, les pommes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes, alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous terre. Et à la surface, les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme les brocolis. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Mais même certains adultes se trompent parfois. Vous voulez jouer à l'ardoise digitale pour vous entraîner? Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bon, ce n'est pas grave, les enfants. Groovy peut nous aider. Waouh! Merci, Groovy. Les tomates. Fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est bien ça. Les tomates sont des fruits. Même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exact. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. C'est ça, les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Mais oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? C'est ça, les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? C'est ça, les pêches sont des fruits, avec un grand noyau, c'est leurs graines. Et les brocolis? Des légumes, c'est ça. Même si c'est dur à croire, les brocolis sont des fleurs. Et les laitues? C'est facile aussi. Ce sont des feuilles. Alors oui, ce sont des légumes. Et les pommes?
bien sûr, un fruit. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Groovy. Ce sont des légumes, parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sorti. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Mais enfin, Phoebe, qu'est-ce que tu manges? Un donut? Où l'as-tu trouvé? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à lunch? Phoebe, je suppose que tes parents n'ont pas eu le temps de t'aider à la préparer. Ce n'est pas grave, Phoebe. C'est normal que tu aies pris les choses que tu aimes le plus manger. Mais ce n'est pas très sain. Et toi, Groovy, qu'est-ce que tu as dans la tienne? Très bien. Apprenons à préparer une boîte à lunch saine, en jouant. Regardez, j'ai apporté une table avec de nombreux aliments. Pourrez-vous distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et les placer dans les cases correspondantes? Oui? Ok, prouve-le. Rappelez-vous, la nourriture saine dans la boîte à gauche et celle qui ne l'est pas sur la droite. Prêt? 3, 2, 1, maintenant! Waouh, quelle vitesse! Mais voyons, qu'en pensez-vous, les enfants? Tout va bien? Je pense que tu t'es limité à mettre d'un côté les choses que tu aimes et de l'autre, celles que tu n'aimes pas. C'est ça? C'est une bonne idée. Groovy, pourquoi tu ne l'aides pas? Non, Groovy, ce sont des faux. Vous devez les ordonner, pas les manger. Groovy n'aime pas du tout les bonbons. Ils sont malsains. Exact, Phoebe. Les sucettes ne sont pas saines non plus. Bien vu, Pops. Les yaourts sans sucre sont excellents. Quoi d'autre a été placé au mauvais endroit, les enfants? Super, Groovy. Phoebe n'aime pas la texture de la banane. Mais triturée, elle aime ça, non? Triturer les fruits est un bon truc pour que les enfants les aiment. Alors, tout va bien maintenant? C'est bien, Pops. À la maison, nous consacrons beaucoup de dimanches à faire des desserts sains, pour apporter des biscuits ou des gâteaux à l'école. Parce que ceux qu'on achète au supermarché ne sont pas sains. Comment ça serait alors? Dans les aliments sains, pastèques, bananes et autres fruits, carottes, brocolis, courgettes et tous les légumes. Et aussi du yaourt naturel et d'autres produits laitiers tels que le lait et le fromage de qualité. Et pour la malbouffe, biscuits, bonbons et glaces, ils ont trop de sucre et de graisse. Vous ne devez pas manger non plus de sucettes, de frites ou de boissons sucrées. Mieux vaut les éviter. Alors, que mettriez-vous dans votre boîte à lunch? Comme c'est délicieux, le sandwich fait maison. Mais Phoebe, au lieu de jus, mieux vaut le fruit entier. C'est comme ça qu'il conserve toutes ses propriétés pour vous rendre super fort. Super, Groovy est le meilleur exemple pour les enfants. Il adore la nourriture saine. S'amuser avec les enfants à préparer leur propre boîte à lunch, en choisissant entre les produits sains, est le meilleur moyen pour qu'ils mangent tout, tout et tout. Qu'est-ce que c'est bon les aliments sains. Surtout si tu les partages avec tes amis. Quelle superbe journée pour jouer dans le jardin. Qu'est-ce que c'est, Phoebe? Un ballon? Essayons de ne pas la faire tomber. On va compter les passes, les enfants.
Comme ça, on reverra les numéros. Prêt? Tu dois faire des passes, Groovy. On va réessayer. Formez un cercle, tous les trois. Oui, toi aussi, Pops. Un. Groovy, tu dois passer le ballon à Phoebe. Frappe plus fort. Un. Deux. Tu l'as lancé trop haut. On peut sûrement faire mieux. Un. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phoebe, tu dois passer le ballon à tes amis. Il faut partager comme ça, c'est plus amusant. Très bien. Allez, Groovy, réessaye. Oups, pas si fort. Oh non! Le ballon est tombé dans la cheminée. Ce n'est rien, les enfants. Pops pourra sûrement le récupérer. Qu'est-ce qui se passe, Pops? Il est coincé? Pops? Pops a oublié sa mission. Allez chercher le ballon. Que peut-on faire pour le récupérer? Une échelle? Non, Phoebe. Les enfants n'ont pas le droit de monter sur le toit. C'est trop dangereux. Je sais. Pourquoi ne pas demander à Groovy de nous aider? En quel jouet Groovy peut se transformer pour récupérer le ballon? En hélicoptère? En voiture? Ou en bateau? Mais oui, les enfants! Un hélicoptère peut voler jusqu'au toit! Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy. Regarde, Phoebe, le ballon. Merci, Groovy. Tu es le meilleur. Reprenons le jeu, en équipe cette fois. Pendant que Phoebe fait des dribbles, Groovy nous aidera à compter jusqu'à 10. Prêt? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Génial! Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin. Voyons comment tu shootes, Groovy. Essaye de marquer un but. Il faut mieux viser. Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté de la route? Non, les enfants! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route. C'est très dangereux. Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route. Pops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons.
Vous, vous devez être attentif au petit bonhomme. S'il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passera au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêt à traverser pour aller récupérer le ballon? Respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Attends, Groovy, pas encore. Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher ballon. Mission accomplie, on a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi? Les feux ne fonctionnent pas? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants? Tu nous aides, Groovy? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser? En biberon? En panneau stop? Ou en araignée? C'est ça! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie. Que dit Pops, les enfants? Oh, c'est vrai! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial! Quelle superbe journée pour faire de la balançoire! Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule! Essaye, Groovy! Ça a l'air amusant! Allez! Très bien! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la tour. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant! Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber!
Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh, il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula hoop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots? Où ils vivent, les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Très bien.